Tahiti est la deuxième plus grande île d'Afrique, après le Madagascar, une première destination touristique dans la région de par sa position géographique et géostratégique. Monsieur le chef de la mission de la maison, civile chef de l'État. Qu'il nous soit permis de rappeler que le samedi 8 décembre 2018, le chef de l'État, qui jadis fut président du parti de l'opposition, candidat aux élections présidentielles de 2018, arriva ici à Idui pour battre sa campagne électorale. Des promesses ci-dessus ont été faites de sa part à la population insulaire d'Idui. À savoir, je cite, première promesse, l'île d'Idui est un endroit paradisiaque. Ça veut dire que les fils et filles d'Idui doivent vivre comme au paradis. Au paradis, il n'y a pas de souffrance. Mais si vous souffrez ici, c'est à cause du pouvoir actuel qui est irresponsable. Mais moi, je viens pour le changement. Il avait encore promis, nous avons un programme ambitieux pour notre pays, et particulièrement pour le territoire d'Idui. Nous voulons établir l'état de droit ici, mettre fin à l'insécurité, aux tracasseries, mais surtout, il faut former nos jeunes, les jeunes d'Idui. Troisième promesse, il avait dit, Son Excellence, l'électrification qui est longtemps réclamée par les Bagni d'Idui. Monsieur le chef de la maison civile, le chef de l'État, nous remercions Son Excellence, Monsieur le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour la matérialisation de son projet de société dans la chefferie Tambouka, territoire insulaire d'Idui, à travers 1. La gratuité de l'enseignement primaire, 2. La restauration de l'état de droit, 3. L'électrification du territoire d'Idui, toujours en promesse que tous les dignes fils du pays attendent avec impatience. Cependant, certaines promesses n'ont pas encore été réalisées, mais aussi, la population d'Idui dans la chefferie Tambouka est confrontée à certains défis majeurs et leurs yeux restent braqués auprès du chef de l'État, auteur du changement en RD Congo. J'ai compris que le chef de l'État qui est passé ici avait fait un certain nombre de promesses. Certaines promesses ont été réalisées et d'autres pas. Je crois que c'est tout à fait normal quand on apprécie l'évolution de la situation et le cheminement de notre gouvernement. J'ai compris aussi que le chef de l'État, lorsqu'il a pris le pouvoir, je voudrais signaler deux, trois choses. Il a rencontré un certain nombre de difficultés dès le départ. Il y avait cette cohabitation avec le pouvoir sortant. Nous avons connu pratiquement un temps, près de 2 ans de cohabitation FCC-CACH. Et il fallait beaucoup de patience de sa part. Il fallait beaucoup de sagesse de sa part. Il faut dire que le chef de l'État, s'il n'avait pas été quelqu'un des sages et des patients, eh bien, les choses se seraient passées autrement. Je crois que vous avez tous suivi cela. À un certain moment donné, on l'a même traité d'incompétent. On a dit qu'il ne savait rien, que ce n'était pas lui qui dirigeait, n'est-ce pas? Eh bien, il a accepté les humiliations pour le peuple congolais. Il a accepté des insultes pour le peuple congolais. Conscient qu'il avait fait des promesses de changer la situation, il a dit, je vais y aller pas à pas. Et il a renversé la situation. FCC cache par terre. C'est pas vrai? Est-ce que vous pouvez acclamer? Dieu seul sait à quel prix il a réussi à renverser cette situation pour aller vers l'Union sacrée. Et c'est encore une autre configuration politique qui a ses forces, mais qui a aussi ses faiblesses.
Et donc, lui, à la tête du bateau, il est en train, comme un tout capitaine, en train de gérer, en train de naviguer pour que le peuple congolais se sente à l'aise. Et comme si ça ne suffisait pas, l'éternelle situation ici au nord du Kivu, dans l'Ituri, mais aussi au sud-sud de notre province, vers Uvira, Fizi, vous le savez, ce n'est pas une situation facile. Notez que le sud-sud à lui seul pratiquement compte près de 64 groupes armés. Et le chef de l'État s'est dit, il faut apporter la paix. Dans les mémos, j'étais très content d'apprendre que ici, sur l'île Udi, il y a, de manière générale, il y a la paix. Ça, il faut le reconnaître. Et le vrai problème ici, c'est le problème de développement. Le problème de route, le problème des écoles, le problème de santé, etc. Le chef de l'État a déjà pensé à tout cela. La première chose, vous l'avez dit vous-même et vous l'avez apprécié, la gratuité de l'enseignement primaire. Je crois que cela, ça a commencé, c'est effectif. Il y a des choses qu'il faut aménager, mais que voulez-vous ? Il faut aller de l'avant pour consolider cette gratuité de l'enseignement. On ne peut pas prendre une décision aujourd'hui, la réaliser, avoir à 100% des résultats. Même à l'école, je ne sais pas si le premier de la classe a toujours 100%. Non. Et donc, il y a quelque chose qu'il faut voir en ces lieux-là. S'agissant de la couverture santé universelle, parce qu'on a parlé de l'accessibilité aux soins de santé, eh bien, ça fait un souci, un pilier important du chef de l'État. Dans son programme de la couverture santé universelle, il a décidé, le gouvernement a décidé de commencer avec les mamans qui vont accoucher. Elles devraient normalement ne pas payer les soins d'accouchement. Et cela a commencé à partir de Kinshasa. Je crois que de manière progressive, vous allez également bénéficier de cela. Pour ce qui est des infrastructures, vous êtes au courant du programme local de développement des 145 territoires. Vous êtes au courant de cela? Eh bien, ce programme qui va couvrir pratiquement tout le pays prendra en charge un certain nombre d'infrastructures, comme des écoles, vous avez cité, des centres de santé, des maisons, des bureaux de territoire, des bureaux de maisons d'habitation, des responsables, des administrateurs de territoire, et aussi également les routes et même des structures de transformation agricole. Vous êtes réputé ici pour la production de l'ananas, eh bien, vous avez raison, c'est le moment de vous organiser localement pour soumettre à ces programmes la question de la transformation de produits que vous avez ici. Je suis également au courant que le chef de l'État, dans son programme ANCER, par rapport à l'électrification dont vous avez parlé, il y a tout un large programme. Je n'ai pas retenu par cœur, peut-être que le gouverneur pourra me corriger. Il doit y avoir un projet d'installation des panneaux solaires, n'est-ce pas, pour donner du courant à la population dans presque tous les territoires. Et donc, vous voyez la gratuité de l'enseignement, l'accès aux soins de santé, les programmes de 145 territoires, ce sont là les quelques efforts que le gouvernement est en train de faire après avoir connu pratiquement 2 années où on était en train de s'y tirailler. Alors, pour le moment, le chef de l'État nous envoie ici, nous en tant que maison civile, pour d'abord vous saluer, vous remercier parce que ici à l'île Uidi, vous l'avez voté pratiquement à 98%. 98% de la population de Uidi avait voté pour le chef de l'État. Est-ce qu'on peut vous applaudir?
les bras. Vous avez fait ce que vous avez pu faire et le chef de l'État est très reconnaissant. Il ne peut pas se diviser en 8, en 10 pour être à Idui, à Kabare, à Walungu, à Chaboum. Il envoie ses yeux et ses oreilles comme nous pour parler avec vous, pour échanger, pour écouter ce mémo. Soyez rassurés que ça va arriver. Soyez rassurés que ce mémo va arriver et que, avec la collaboration de son Excellence Monsieur le Gouverneur, petit à petit, un certain nombre de choses vont être réalisées. Mais sachez que, ce que dit le chef de l'État, ne croisez pas le bras. La chose la plus importante, c'est de vous organiser vous-même, en groupe, en coopérative, en association, avec des professionnels en leur sein, de manière, en réalité, à pouvoir accéder à tous ces services. Le développement commence par la base et non par Kinshasa. Le développement, c'est l'affaire de toute la population. Vous devez vous approprier votre propre développement. Personne ne viendra d'ailleurs pour venir vous développer, mais ceux qui viennent d'ailleurs, c'est pour faciliter ce développement pour que vous puissiez vous prendre vous-même en charge. Mais c'est ma gamme de développement, il y a qui la moutou. Baba Wataïfa, Amesema, Jambo Kwenu, Baba Wataïfa, Amesema, Moussonga Mbele, Mwari, Mwangalia, Kabisa Kabisa, Kwenye Tutunaenda, Kumwanzo ya présidence yake, Alipata Maguma, Tutesi Kidoko, Lakini, grâce à sagesse yake, ça se tournant au Tembei. Badai, tout a ingi mou qui fait des enrôlements na ya élection. Mufungu la macho, mouiski a parlé. Nio. Mouiski d'anganik na mi yoka mouta danika parlé. Mufungu la macho kabisa. Yi, kidok, tu lisi anza ina fa tu ikomalisye. Yi pa tu li fa ne tena fa ya pili ya tatu na ine na tendele ya mbel tu songa mbel. Civile. Nio. Ine pika ksanti, kwa niye bote na furai kuba ksanti.